Aujourd'hui, on se retrouve au lac du Causse, qui est donc un lac attenant à la ville de Brive-la-Gaillarde, avec Proteor ainsi que nos patients. On va leur proposer des activités comme le stand-up paddle, le canoë, le vélo électrique et aussi le sport de tambourin. Pour certains, c'est même la toute première fois qu'ils essayent des nouveaux pieds aquacompatibles, qui tentent un nouveau sport, même qui découvrent des nouveaux sports. Et ça, c'est juste topissime pour eux. D'avoir un moment encadré comme ça, pour eux, c'est rassurant. Et c'est pour ça qu'ils en profitent pour se lâcher un petit peu plus. Sans appréhension, quoi, avec vraiment l'envie de tester. Et je pense que tout le monde a plus ou moins réussi à tenir debout, à faire un tour de paddle. Et pareil en kayak. Si vous voulez aller droit, levez la pagaie au maximum pour pagayer proche du bateau. Au niveau du canoë, les premières sensations, c'est pas évident de garder l'équilibre. Il faut arriver à compenser. C'est ce qui est le plus dur à faire au départ. Et après, on prend tout de suite confiance. Et puis petit à petit, ça revient très vite. En fait, la sensation est toujours la même. Hein. Être sur l'eau, c'est génial. Les sensations, c'est pas que je kiffe plus, mais avec l'handicap, vu qu'on a tendance à vouloir donner du siège pour pouvoir gérer, c'est ça qui donne plus de sensations. En fait. Donc du coup, on kiffe encore plus. L'activité que j'ai plus aimé, c'était le vélo. Parce qu'on en fait depuis petit, tout le monde en fait. Et c'est le truc qui me manquait le plus et c'était parfait. J'étais à fond direct. Et puis ça fait du bien de rencontrer des personnes nouvelles. C'est vraiment ça, l'attrait qui est derrière ces différentes journées. On fait connaissance avec d'autres personnes qui sont aussi extrêmement motivées et motivantes. C'est ce qui nous permet de continuer dans les activités sportives en dehors de ces différentes journées. En fait, on a chacun un problème différent, un corps différent, et des habitudes différentes, des activités différentes et qui font qu'on a chacun des besoins différents. Et en voyant justement certains les adaptations qu'ils ont, on peut réfléchir à améliorer les nôtres pour être plus confortable pour l'avenir. C'est pas le premier événement que je fais et c'est toujours aussi agréable. Je reviendrai avec plaisir. Ça me donne envie de continuer à prendre ce chemin-là, refaire du sport. C'est incroyable, il n'y a pas d'autre mot.